Salut, c'est Normalité qui est Monsieur Pensez Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur un nouvel épisode des 5 choses à savoir. Alors comme vous l'avez vu, le 5 choses à savoir d'aujourd'hui va porter sur les 5 choses à savoir sur le basket. Oui, parce que je parle beaucoup de joueurs NBA, je parle beaucoup de la NBA en elle-même, mais je me dis qu'il y a certaines choses à dire par rapport au basket français. Et donc j'ai décidé de faire un 5 choses à savoir sur le basket français. J'ai trouvé plusieurs choses à dire, mais j'ai pris les 5 plus grosses choses à mes yeux que je devais vous dire. Donc ça peut être une partie 1 et peut y avoir une partie 2. Tout dépend de vous et de vos likes. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en dessous de la vidéo. 5 choses à savoir sur le basket français, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'entends très souvent dire des gens, ouais moi le basket féminin, pff, tip top, tip top. Ouais moi le basket féminin je regarde pas trop, je trouve ça un peu chiant. Ouais mais quand c'est Marine Johannes qui met des crosses venues d'ailleurs, ou quand elle fait danser Maya Moore comme la tournade de Konoha, quand c'est Olivier Poupa qui met un in and out venu du Turfu et qui enlève les genoux d'une joueuse espagnole comme si Thanos avait claqué des doigts, ou encore quand c'est Céline Dumère qui en des 3 points face à la Grande-Bretagne en JO qui fait crier, exploser complètement les présentateurs de France Télévisions et nous par la même occasion, là on kiffe le basket féminin. Ah oui, là on est content, là ouh. Il faut savoir que les femmes ne se comparent pas aux hommes, les femmes veulent juste être évalué comme les hommes. Vous allez me dire oui mais c'est de la comparaison. Non, je vais m'expliquer. On va prendre un exemple. Dans une ligue, il y a des revenus générés. Disons que pour les hommes, 45% de ces revenus-là qui vont leur revenir pour qu'ils soient partagés entre eux. En face de ça, on va avoir une ligue où les femmes génèrent aussi des revenus, mais ils vont avoir que 15% de ces revenus-là à se partager. Et c'est là le problème. Mais il y a une différence entre ça et ce que les gens comprennent. Ce que les gens comprennent, c'est que les femmes disent ouais t'as vu, lui il gagne 10 millions de dollars, alors moi aussi je dois gagner 10 millions de dollars. Non, ce n'est absolument pas ça. Et j'espère que vous avez mieux compris. Pour les personnes qui ont l'habitude de dire ouais moi le basket féminin c'est pas tip top, ouais basket en France pas grand chose etc, je vous invite à aller regarder les pourcentages des licenciés femmes dans tous les sports collectifs les plus pratiqués, que ce soit par homme ou par femme. Vous allez voir que le basket fait partie des top 2 des sports collectifs les plus pratiqués en termes de pourcentage de femmes licenciées. Si je dis pas de bêtises, le premier c'est le hand, donc on a un pourcentage de femmes licenciées plus élevé même que le foot, qui a plus d'un million de participants. Donc avant de dire ouais vas-y les femmes le basket c'est pas tip top, profitons d'avoir ces filles et ces femmes qui aiment, pratiquent et partagent notre sport avec la même conviction que nous. Si je vous parle de Larry Bird, Magic Johnson ou encore Will Chamberlain, vous allez me dire oui, je connais. Et alors bah attends, j'ai de la culture basket, tu me prends pour qui? Ok d'accord, maintenant si je vous parle de Hervé Dubuisson, Tariq Abdul-Wahad ou Olivier Saint-Jean, parce que c'est la même personne, ou encore de Pauline Cambi, là vous allez me dire ah, c'est ce que je me disais. Ah, il y a plus personne. Vous êtes les malins là. Ouais, mais j'ai de la culture basket. Eh bien, commençons par Hervé Dubuisson. Hervé Dubuisson, dit Dub, est le premier Français à avoir fait partie d'une franchise NBA. En été 1994, il a participé à la NBA Summer League avec les New Jersey Nets. Oui, les New Jersey Nets. Tu vois l'équipe qui a été délocalisée et qui s'appelle maintenant les Brooklyn Nets. Il faut aussi savoir que Hervé Dubuisson est le recordman du côté de l'équipe française masculine de basket du nombre de sélections et du nombre de points marqués en sélection. Cela étant dit, il n'a jamais été drafté en NBA. Et c'est là qu'intervient un natif de Maison Alfort. Oui, il fallait que je précise Maison Alfort, je viens du 9-4. Il faut qu'on soit fier du 9-4 quand il y a quelqu'un du 9-4 qui fait un truc. Tariq Abdul-Wahad, né Olivier Saint-Jean, est né à Maison Alfort et a été formé au basket à l'ALMRE avant de s'envoler pour les États-Unis et de passer 4 années du côté de la NCAA avec les Wolverines de Michigan. Au bout de ces 4 années, il se présente à la draft 1994 et est drafté par les Sacramento Kings. Ce qui fait de lui le premier joueur à avoir été drafté et à avoir évolué en NBA. Quelques petites années avant un certain Tony Parker. Tout à l'heure, je vous ai dit que Hervé Dubuisson était le recordman du nombre de sélections et du nombre de points marqués avec l'équipe de France masculine. Il coltine au top avec 254 sélections. Sauf que de l'autre côté, du côté des femmes, il y a aussi quelqu'un qui a 254 sélections. Et cette personne, c'est Pauline Ekambi. Oui, ce n'est plus la record woman puisque Céline Dumère l'a dépassée. Mais Pauline Ekambi fait partie des pionnières du basket français. J'ai même envie de me lancer et de dire l'une des pionnières du sport féminin. Il faut savoir que Pauline Ekambi est la première joueuse de basket française à avoir vécu le rêve américain grâce à ses qualités sportive. Oui, elle n'a pas acheté un billet d'avion et est partie aux États-Unis. Non, elle a recruté aux États-Unis grâce à ses qualités sportives. Mais, et surtout, c'est la première basketteuse et première sportive noire à avoir fait la couverture de l'équipe magazine. Et ça, c'est quelque chose. 1893, Paris. Oui, mesdames et messieurs, en France et plus précisément à Paris, nous avons le plus vieux terrain de basket existant au monde. Il se situe rue de Trévise dans le 9e arrondissement, mais malheureusement n'est pas ouvert aux visites. Je tiens juste à préciser que le basket a été créé en 1891 et que ce gymnase a été créé en 1893. C'est fort quand même, c'est très fort. C'est le bâtiment d'une association, la Young Men's Christian Association. Yes, I speak very well English. En français, l'Union Chrétienne des Jeunes Hommes. C'est un ancien élève de Gustave Eiffel. Tu sais, celui qui a été architecte de la Tour Eiffel, yes. Qui a été architecte de ce bâtiment qui contient un foyer de jeunes, un théâtre, une piste de vélo et même une piscine, mais qui a été fermée depuis. Oui, quand même, 1893, ça date un petit peu. En 2018, la marque à la virgule. Je sais qu'il y en a certains, quand je vais dire la marque à la virgule, ils vont pas capter. Du coup, je vais dire Nike directement. Nike avait lancé une sorte de participation collective
UD crowdfunding. Je vais m'arrêter là pour les expressions anglaises, c'est bon. Afin de pouvoir rénover le terrain de basket. En gros, ils avaient créé 200 modèles d'une paire. La Nike Dunk Low PRM QS Paris. Oui, je suis un sneakerhead. Et les ont mis en vente sur une application mobile. Les fonds récoltés lors de la vente de ces 200 paires, vendues à l'unité à 110 euros, ont été mis en place pour aider à la rénovation du terrain. Est-ce que vous savez pourquoi Boris Dio, aka le président, a joué aussi longtemps en équipe de France? C'est parce que sa mère y a joué également. Elisabeth Rifiod a évolué au poste de pivot avec l'équipe de France pendant 247 sélections. 247, ça vous parle pas ça? Oui, Boris Dio a arrêté sa carrière internationale en équipe de France après sa 247e sélection, ce qui fait de lui le troisième joueur le plus capé de l'histoire du basket français, tout comme sa mère avec ses 247 sélections également du côté des femmes. Coïncidence? Je pense pas. Alors pourquoi je parle de relève? Tout simplement parce qu'on voit de plus en plus de fils d'anciens joueurs pro devenir pro à leur tour. Je pense notamment à Killian Hayes dont le père était un ancien joueur pro qui évoluait du côté de Cholet, ou encore entre autres à Malcolm Casalon dont le père a évolué à la JDA Dijon et a aussi été un membre de la Slam Nation. Si vous savez pas ce que c'est la Slam Nation, dites-le en dessous dans les commentaires, je le mettrai dans la partie 2 des 5 choses à savoir sur le basket français. Je regardais une vidéo de Kobe derrière moi. Putain, le type a quand même réussi à caler Kobe dans une vidéo du basket français. Il disait que le fait d'être le fils d'un joueur pro faisait penser aux gens qui avaient des facilités d'accès dans certains tournois ou dans certains camps ou même dans certaines infrastructures de clubs. Ce qui fait que pour arriver au haut niveau, c'est beaucoup plus simple parce que papa connaît quelqu'un. Alors que c'est clairement tout le contraire. Et c'est même l'une des choses qui ont entraîné la création de la Mamba Mentality. Oui, bien évidemment, à son jeune âge, il n'appelait pas encore ça la Mamba Mentality, mais c'était déjà dans cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que le fait que les gens se disent qu'il avait certaines facilités, ces personnes-là jouaient beaucoup plus dur contre lui, étaient beaucoup moins tendres avec lui. Et donc lui, en retour, il devait s'entraîner beaucoup plus dur que les autres. Pour leur montrer non seulement qu'il était plus fort qu'eux, mais qu'il ne profitait pas du statut de son père pour arriver à ce niveau-là. Et ben quand tu vois les débuts de carrière des deux que j'ai cités, Malcolm Casalon et Killian Hayes, j'en ai cité deux, mais il y en a bien d'autres. Hein. Tu sais qu'il y a une masse d'heures perdues à s'entraîner, à shooter, à regarder des vidéos d'analyse, et ça, personne ne le voit. 1er septembre 1998, au gymnase Géo Andre à Paris, Michael Jordan a joué. Alors remettons les choses dans le contexte. L'équipe entière de Michael Jordan à cette époque-là, c'était Nike, et ils ont décidé de créer un match d'exhibition entre deux équipes, une équipe allemande et une équipe française. C'était les Steiner Beirut, je n'ai pas l'accent allemand, je peux pas le prononcer avec l'accent allemand, face au Tour BC. Pourquoi le Tour BC alors qu'on est à Paris? Il y a bien des clubs à Paris. C'est tout simplement Nike qui a décidé de prendre la Tour BC. Tellement les gens étaient hypés que George Eddy a dû dire à Nike que la salle était trop petite parce que la salle était de 1500 places. Il y avait des gens tellement hypés qu'ils dormaient déjà à l'entrée du gymnase. Résultat, il y avait plus de 10 000 personnes pour l'événement. 10 000 personnes, 1500 places. George Eddy lui-même le dit qu'il a dû virer 8000 personnes parce que la salle était comble. Et bien évidemment, il s'est fait insulter. Oui, bien évidemment. Insulter, huer, tout ce que tu veux. Et lorsque Michael Jordan est arrivé et qu'il a vu tout ça, de base, il voulait juste arrêter. Il voulait dire non, c'est trop dangereux, c'est bon, je peux pas faire ça. Mais il a pu être convaincu et a joué dans les rangs du Tour BC. L'histoire veut que Michael Jordan a marqué 37 points, mais il a quand même perdu ce match. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire en dessous dans les commentaires quelle chose parmi ces 5 choses à savoir, vous étiez au courant et celle dont vous n'étiez pas au courant aussi. Si vous avez d'autres anecdotes sur le basket français, dites-le moi aussi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la description ou juste là dans le coin là où vous allez pouvoir vous abonner tranquillement. C'est votre boy Eddy, vous êtes le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.